Connaissez-vous Russell Hobbs? Il s'agit d'une marque située en Angleterre depuis 1952. Spécialisée dans les équipements de petits électroménagers à destination des foyers, Russell Hobbs conçoit ses appareils en Angleterre et produit en Asie. Quelles sont les caractéristiques du Satisfy XL? Sa puissance totale est de 1800 watts, sa contenance est de 8 litres, ce qui correspond à environ 2,2 kg de frites. Grâce à sa capacité XL, il peut satisfaire l'appétit de 6 personnes. Il est équipé d'une grille de cuisson et d'une cuve amovible dotée d'un revêtement anti-adhésif et nettoyable dans un lave-vaisselle. Ce modèle est polyvalent avec ses 10 programmes. Il n'a en revanche pas de pales de brassage automatique. Heureusement, une alarme prévient l'utilisateur lorsqu'il est temps de remuer les aliments. Ce n'est pas une friteuse sans huile connectée à Internet. Cette friteuse à air chaud pulsée à haute intensité atteint aisément la température de 220 degrés. Ce modèle est équipé d'un arrêt automatique, d'une minuterie réglable jusqu'à 60 minutes et de la fonction maintien au chaud. Par contre, il ne dispose pas de la fonction départ différé. L'Air Fryer Satisfy XL possède cette fonctionnalité. En effet, ce modèle frit, grille, rôtit, cuit comme dans un four, déshydrate, réchauffe et décongèle. Il est fabriqué en Chine, sa garantie est de 2 ans et ses pièces détachées seront fournies au minimum pendant les 5 années suivant la date d'achat. Quels sont les modes de cuisson du Satisfry? Les 10 menus sont frites, poissons, œufs, poulet, légumes, cuir, grillé, déshydraté, décongelé, réchauffé. Si vous voulez examiner plus en détail le tableau des caractéristiques techniques de l'Air Fryer Satisfry, vous trouverez le lien vers l'article complet et le tableau sur meilleurmulticuiseur.com. Est-ce que cette friteuse sans huile consomme beaucoup d'électricité? D'après les tests du fabricant, cette friteuse sans huile permet 47% d'économie en électricité par rapport à l'utilisation d'un four classique conventionnel. À puissance maximale, cette friteuse à air chaud consomme 32 centimes de l'heure. Ce coût peut varier en fonction des pratiques tarifaires appliquées par votre fournisseur d'électricité. Quels sont les avantages et inconvénients du Satisfy XL? Ses atouts: un design épuré et classe, son format est ultra compact, il a une grande capacité, ses 10 programmes de cuisson sont pratiques, sa fonction pour déshydrater les aliments est intéressante, il est puissant grâce à la technologie chaleur pulsée à haute intensité, son alarme pour remuer les ingrédients est appréciable, sa cuve et sa grille de cuisson sont amovibles, il est facile à utiliser, il est plus économique qu'un four conventionnel, la notoriété et le savoir-faire de Russell Hobbs sont un plus. Le lien vers l'Air Fryer XL Satisfy se trouve sous la vidéo. Son désavantage: comme 99% des friteuses sans huile, celui-ci ne possède pas de pales de brassage automatique. Par conséquent, l'utilisateur se retrouve dans l'obligation de brasser les aliments pour que la cuisson soit plus homogène. À cette fin, Russell Hobbs a prévu une alarme de remuement. Conclusion: le Satisfy XL est-il un bon plan? Son design est assez élégant, il n'est pas encombrant et peut nourrir jusqu'à 6 personnes. Ses multiples fonctionnalités offrent une polyvalence appréciable. Il est vrai que déshydrater des aliments n'est pas donné à toutes les friteuses à air. À l'occasion, le menu décongélation se révèle pratique. Idem en ce qui concerne le maintien au chaud des aliments sitôt la cuisson terminée. Après examen de sa puissance, de sa capacité, de l'ensemble de ses fonctionnalités mais aussi de ses performances, tout indique qu'il s'agit d'un équipement de qualité. Cette impression est confortée par le savoir-faire et la renommée mondiale de Russell Hobbs. Fort de ce constat et au terme de plusieurs tests, le guide d'achat de friteuse sans huile meilleurmulticuiseur.com recommande l'achat de l'Air Fryer XL Satisfry. Retrouvez toutes les infos et son meilleur prix grâce au lien dans la description sous la vidéo. Merci de laisser un j'aime si la vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner et activer les notifications pour ne rien manquer. Vous pouvez partager la vidéo sur les réseaux sociaux et laisser un commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Merci et à très bientôt.